Mon nom est Peter Gredig et je possède une ferme près de London, en Ontario. Je suis également impliqué dans le développement d'applications mobiles pour l'agriculture et j'explique aux agriculteurs comment ils peuvent tirer profit de cette technologie pour leurs exploitations. Le téléphone intelligent a offert une énorme puissance de gestion à la plupart des agriculteurs. Il a toutefois une faiblesse évidente. L'écran est minuscule, ce qui rend la visite des sites web, le visionnement de vidéos et l'affichage des images possibles, mais inconfortable sur un téléphone intelligent. Les agriculteurs ont l'occasion de compléter leur téléphone intelligent à l'aide d'une tablette, par exemple l'iPad ou la Playbook, ce qui leur permet d'améliorer leur accès au web, de profiter d'outils utilisant des vidéos et d'afficher des sites web plus complexes. Des applications spécialisées ont été développées pour les agriculteurs et ne fonctionnent que sur les tablettes. Ensemble, le téléphone intelligent et la tablette sont une solution idéale. Ils sont tous deux mobiles et constituent un atout pour les producteurs. Les tablettes mobiles vous permettent de transporter une grande quantité d'informations dans un format très compact. Imaginez un peu les dizaines de manuels d'utilisateurs accessibles à partir des appareils mobiles et que vous n'aurez plus à transporter dans vos lieux de travail. Les appareils mobiles vous permettent de visionner des vidéos. Avec une tablette, vous pouvez donc accéder de manière conviviale à une démonstration d'équipement sur YouTube ou à du bétail en vente. Ils vous permettent aussi de vous impliquer dans les médias sociaux de manière plus efficace. Ainsi, des ressources de médias sociaux telles Twitter et Facebook sont beaucoup plus faciles d'utilisation et offrent de meilleures fonctionnalités sur une tablette. Les tablettes transforment réellement votre expérience sur Internet. Plutôt que de vous asseoir devant votre ordinateur de bureau chaque fois que vous devez ouvrir un site web ou obtenir des informations, vous transportez tout avec vous sur votre tablette. Ces appareils sont mobiles, donc peu importe où vous êtes, ils vous suivent tout comme l'Internet. Vous utilisez l'Internet chaque fois que vous en avez besoin. Internet est désormais une expérience mobile. La différence entre une tablette et un ordinateur portatif traditionnel est que la tablette est plus portable, a une plus grande autonomie et est beaucoup plus facile à utiliser. Les logiciels et la programmation sont plus conviviaux. Vous prenez l'habitude d'utiliser l'écran tactile plutôt que de taper au clavier et d'utiliser une souris. De plus, vous vous rendrez compte que votre tablette vous sera utile plus fréquemment que votre ordinateur portatif. Les tablettes sont aussi dotées de caméras. La plupart sont maintenant dotées de caméras à l'avant et à l'arrière permettant d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos. Utilisées avec des outils comme Skype, ces tablettes sont très utiles et vous permettent de communiquer avec d'autres personnes à l'aide de la connectivité 3G. Elles sont aussi dotées d'un GPS, ce qui permet aux producteurs travaillant sur le terrain de prendre des notes ou de tracer des cartes. La fonctionnalité GPS est tout indiquée pour l'agriculture. L'un des défauts des tablettes que nous devons souligner est que la plupart des tablettes utilisent un clavier à l'écran. Si vous devez taper de longs courriels ou documents, il ne s'agit probablement pas du périphérique le plus approprié. Vous pouvez toutefois contourner ce problème en faisant l'achat d'un clavier Bluetooth qui communique avec la tablette et que vous pouvez utiliser lorsque vous avez de longs textes à taper. Les agriculteurs qui souhaitent acheter leur première tablette devraient, à mon avis, chercher une tablette dotée de la fonctionnalité 3G. La fonctionnalité 3G permet à la tablette de fonctionner comme un appareil mobile autonome, de la même manière qu'un téléphone intelligent. Vous pouvez acheter une tablette avec Wi-Fi qui utilisera la connexion de votre téléphone ou qui accédera au web à l'aide de votre routeur domestique. Je crois que la fonctionnalité 3G est vraiment utile pour les producteurs qui souhaitent utiliser une tablette dans l'atelier, dans la grange, dans leur camion, dans le tracteur, partout où ils se trouvent. Je crois que vous trouverez la fonctionnalité 3G très utile. Un grand nombre de modèles de tablettes sont offerts. Vous pouvez acheter un produit iPad d'Apple de la même manière que vous achèteriez un téléphone intelligent. Vous pouvez acheter une tablette prise en charge par BlackBerry, la Playbook ou l'une des nombreuses tablettes Android offertes. En fait, l'achat d'une tablette est une question de préférence personnelle et peut être influencé par le téléphone intelligent que vous possédez déjà. En bout de ligne, ces tablettes ont toutes des fonctionnalités similaires. Il est difficile de se tromper et vous découvrirez que vous vous en servez beaucoup plus souvent que vous l'auriez imaginé.